Salut tout le monde, c'est Dizzy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais quoi? Wesh. Cette vidéo sera séparée en deux parties, en première les streamers et en deuxième le match Fnatic contre BDS. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et je vous souhaite un bon visionnage. Et vous allez voir que dans cette vidéo, il y aura un des meilleurs clips que j'ai vu de ma vie. Donc bien sûr, je parle pas de Grim Cujo et de Carnage en duo. Je fais que ça, frère, il régène. Ça régène, en gros, ça... Oh, arrête, arrête, c'est très bien qu'il va te tuer. C'est très bien qu'il va te tuer. Ouais. J'adore la queue. Putain, j'espère que mes parents n'ont pas ouvert les volets parce que moi, j'ai ouvert les miens. Oh, regarde, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à le découvrir en stream. C'est vraiment un bon gars. Oh. Allez, s'il vous plaît, plus 25, s'il vous plaît, monsieur Riot Games, je vous en supplie. Je regarde pas, vous criez dans le chat si je suis master, ok? Évidemment. C'était sûr! Putain! J'aime trop faire des clics, j'aime trop la souris, mec. J'aime trop les souris, j'aime trop les claviers. Vraiment, c'est ma putain de cam, mon gars. Cliquer 8 heures par jour, être putain de crack addict aux jeux vidéo. C'est ma putain de cam, mon gars. Je suis un putain de crack addict aux jeux vidéo. C'est ça la putain de vie que j'ai décidé de mener. Être un putain de crack addict. Je vous vois, hein. Je sais que vous êtes 3 là. Je suis au courant maintenant. Non, mais vas-y, c'est bon. Mais faites un effort en plus. Mais il y a le troisième, bien sûr. Voilà, 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 vous entendez? J'ai l'impression que tous les clips de Stray c'est la même chose. D'un contre 3, d'un contre 4. Ils sont à l'AF. Je l'ai tellement détruit, frère. C'est quoi ce move de boss que je viens de faire là? Ah fuck. Ok, j'ai 4 stacks. En vrai, on prend le 3 et on fight. Il est off timing de hook. Ok, non, il va récupérer son. Je suis en train de courir. Il l'avait pas touché. Ouais, non, mais c'est. C'est pas aussi. Bon, j'ai pas d'armure, si tu vois ce que je veux dire. What? Non, arrête. T'as vu le stream, Cédric? T'as vu le stream? Oh, vas-y, vas-y, vas-y. Oh, vas-y. Bon, là, il parle de script, mais je pense que c'est juste un mauvais flash. Ça court, hein, côté ennemi. Moi, je vois plus. C'est quoi ça? Mais rentre de la vision! Mais what the fuck? Mais. C'est quoi ce mur? Mais Grace, il est pas venu! Frérot, le mur, il est en placo, frérot, c'est du placo! Oh, c'est pas possible. Greg, c'est pas là. Tu as pas l'ulti, là, regarde. Ah, il est ulti. Oh, oui, oui. Ah, non, là, là, non. Ah, je vois des choses. Oh, t'es trop fort. Oh, là, oh, là, 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 là. Ah, mon poulet, ça, je vous promets, les gars, mécaniquement, c'était incroyable. Oui, oui. T'es slow. T'es re-slow. T'es énormément slow. T'es spermé. Plein de sperme sur toi. Il a surpassé et transcendé toutes les élos. Pourquoi? Adekari, c'est le rôle le plus broken en vélo. Parce que si tu n'as pas d'ADC, t'as perdu la game. Si t'en as un moyen, t'as perdu la game. Si t'en as un bon, t'as perdu la game. Tant que le mec en face est meilleur. Faut que tu la velvette. Kaori! Mais Kaori! Mais tu te fous de ma gueule! Non mais bro, c'est bon qu'il aille se faire foutre là, pour le coup, qu'il aille se faire foutre dans cette game, qu'il est vraiment... Ok. Mais tu joues à quoi en fait? Ok, bah j'ai griffé la game. Ok, je fais n'importe quoi. L'ulti était beau et tout. Après, il faut se barrer là, frérot. Là, le problème c'est qu'il a fait pas d'effort.
Là, c'est que là, il prend la ward devant lui en mode bat les couilles. Bah, il... Le problème c'est qu'il en a rien à foutre des épisodes, j'ai vraiment... Allez, on est parti pour le match, Fnatic contre BDS. Ça a un autre visage ici. Oh, oh là, le play du Mano et d'ici la passe décisive de Trimby. Magnifique coordination entre le midlaner des Fnatic et son support. On va revoir. Nuke pris de vitesse. Oh, le flash. Brillant. Insec maison du Manoïde. Et en plus, il y avait même Noah qui... Les DPTS explose complètement. Emmanuel qui se projette vers l'avant. Belle contre-attaque du côté de Labrov. Mais ce n'est pas suffisant. Double kill du Manoïde. Et les Fnatic qui font peut-être... Un petit peu plus sur la droite pour cover tout l'angle. Ouais. Après, le problème, c'est que quand t'es dans ton trade... Quand on est dans ton trade, que tu veux te couvrir rapidement. Attention, Adam là qui continue. Il touche une nouvelle c'est déchireuse. Létal, on va peut-être aller au bout létal, du côté d'Adam. Sans le nouveau mort. Quel stun du Manoïde! Oh le flash in! Il a flash in! Crowny! Il voulait terminer le travail! Oh Crowny! Allez, c'est. L'instinct parfois prend le dessus. Je pense que la seule erreur. Ouais. TP un peu tôt. Mais... Très bonne ulti Nautilus. 4 hein. joueurs? Ouais. Ouais. L'ulti Nautilus et le stun du Manoïde. Appairé, on fait là, un oh, malheur. Que ce Q aurait fait mal. Hein. Smite, Chio, C'est parti. Nuke et Chronique. Nuke et Chronique sont bien positionnés quand même, qui mettent un maximum de dégâts. La Xayah de droite qui tente d'avancer, on se repositionne du côté de la Brof. Le grave sur Nuke, potentiellement Nuke, la part sur Perle des Fossiles. Oh, il est balayé. Mais il se fait transpercer par Humanoïde. Attention, il y a encore Crowny qui envoie du très lourd, on se retourne, on s'explique un petit peu pour les Fnatic, il y a une ouverture, une toute petite ouverture, une meurtrière pour Crowny qui s'infiltre, il enchaîne, Cusme la le grab, mais il est rattrapé, Crowny le grab de Trimby, il va tomber, non, il est toujours en vie, il est toujours en vie, non. Et pendant ce temps, regardez là, Adam qui donne tout ce qu'il a face à Wunder et Razork, mais ce n'est pas suffisant. Bébé Nuke. Alors peut-être Wunder la partition qui se n'est pas up, mais que les soldats de Shurima se dressent, dressez-vous. Il y en a peut-être plus, il y en a peut-être plus, Humanoïde. Noah qui est en train de taper 3, dans l'histoire du côté du Humanoïde. Chiant qui donne tout ce qu'il a, mais ce n'est pas assez. Et les Fnatic le font. Les Fnatic seront bien à Montpellier. Et les Fnatic joueront bien assurément les Worlds 2023 de League of Legends. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et on se retrouve demain à 14h pour une prochaine vidéo.